merci mille fois. C'est pour nous une grande émotion, enfin pour moi, pour nous tous, mais moi je ressens quelque chose d'un petit peu particulier parce que Jean-Yves et Jean-Claude m'avaient tellement parlé du festival Mamoumani, je veux pas dire qu'ils m'ont... Ils m'ont parlé de ça pendant 2 ans, mais presque. C'est vrai, hein. J'ai déjà pas. Voilà, donc ils n'avaient pas exagéré. Et puis c'est mon premier séjour, première fois que j'ai le plaisir de produire devant le public canadien, devant le public de la belle province. Et pour nous, c'est beaucoup d'émotions. C'est un petit coin de France, de notre culture, notre pays qu'on ne connaissait pas. Vous vous rendez compte, vous connaissez mieux notre culture que nous on la connaît, puisque vous nous connaissez, nous on ne vous connaît pas si bien que ça. Alors, moi je suis ravi de faire votre connaissance ce soir. Bon, étant très bavard de nature, je ne vais pas m'étaler, je vais vous parler de la musique, tout simplement. Les yeux noirs, c'est un thème qui a fait le tour du monde, il a un titre dans toutes les langues du monde. C'est le premier thème que nous avons interprété, avec un arrangement un petit peu personnel. Je dis bien un petit peu parce qu'il est composé en fait d'arrangements des uns des autres, de beaucoup de guitaristes que j'ai connus ou dont j'ai hérité un petit peu. Chanchou, Bousquet, bien d'autres, Django bien entendu, et Joe Priva, lui, on l'a bien connu quasiment tous ici, puisque moi j'ai travaillé avec lui pendant, j'ai eu ce plaisir et cet honneur de travailler avec lui pendant 10 années. Jean-Claude l'a connu, Jean-Yves l'a connu aussi, puisque l'avait incorporé à l'orchestre pour une petite tournée en Hongrie il y a quelques années, et puis Jean-Claude Beneteau l'a également beaucoup travaillé avec lui. Donc c'est un orchestre qui est un petit peu empreint de l'âme de Joe, enfin je le souhaite là, Alma Cinti, mais Alma Joe Priva aussi quelque part. Et pour terminer ce mini-concert de présentation, ben justement je voulais lui consacrer 50% du temps, c'est rien de ce concert, c'est rien à côté de ce qui nous a amené à tous, et à nous musiciens en particulier. Et donc, lui consacrer les deux thèmes que nous avons interprétés pour vous maintenant, avec une de ses plus belles compositions. Alors, le deuxième thème qu'on a interprété, c'était une de mes compositions qui s'intitule Alma Cinti, qui est aussi le nom de cet orchestre. Et donc, une des plus belles compositions de Joe Priva, Rêve bohémien. C'est la vie de beaucoup de gens, sa plus belle valse. C'est la plus romantique, c'est pas la plus virtuose, mais justement, les morceaux les plus virtuoses ne sont pas forcément les plus faciles à interpréter, puisqu'il faut y mettre ce qui manque parfois, hélas, à des musiciens du cœur. Et pas qu'aux musiciens, pardon. Ça arrive aussi à des gens très bien. Et pour terminer, donc Rêve bohémien, et un thème que j'avais composé pour lui rendre hommage et qui était prévu pour une petite intervention télévisée qu'on avait à faire ensemble quelques jours avant sa disparition, et ben voilà, j'ai composé le thème. Joe n'a pas pu jouer, il était à l'hôpital, et finalement on l'a créé avec Jean-Claude Loda sur le premier disque d'Alma Cinti, les disques que vous pourrez vous procurer sur les points de vente du festival. Les deux disques d'Alma Cinti, ainsi qu'un hommage à Joe Priva, qu'on a fait en compagnie de bien d'autres accordéonistes, donc Jean-Claude Loda bien entendu, et Marcel Azola, Marc Bertoulieu, David Enutouchi, Raoul Fouaba et bien d'autres. Et puis le dernier disque de Jean-Claude Loda et Jean-Yves Dumenton, qui sont un peu des habitués de Montmagny maintenant. Alors donc leur dernier disque vient de sortir, c'est le dernier bébé, il a à peine 3 mois. Donc vous pouvez, il n'est pas cher, à peine 100 dollars. Non, je veux dire 100 francs. Donc, Rêve bohémien et Jojo Swing. Et que Jean nous écoute là-haut, et je suis sûr que s'il était là, je suis sûr qu'il serait content d'être là, de toute façon. Alors pour vous et pour Joe, Rêve bohémien, Jojo Swing. Yeah.